Il semblait bien que j'avais entendu du bruit. C'est bien de bonne heure. As-tu mal dormi? Ben, j'ai dormi comme d'habitude. Mais plus vite, comme ça, je me suis réveillé avant l'heure. C'est quand même pas dans tes habitudes de déjeuner avant d'aller au bâtiment. Pourquoi il n'y a pas rien que des habitudes dans le monde? Pourquoi tu veux pas m'en parler? Parler de quoi? Je t'inquiète pour ta santé depuis l'autre jour. Ma santé va bien. Je vais pas me plaindre d'elle. Il y a des médecins, c'est pas pour rien. Les médecins, c'est bon pour le monde qui sont malades. Juste pour la forme, père. Fuir du zafir pour rien, c'est pas mon genre. Ça fait que... Parlons-en plus. Père, je peux-tu te demander autre chose? Tu peux. Qu'est-ce que tu vises en achetant la terre à Delphi Skywet juste pour que Miville ne mette pas la main dessus? Ce que je vise, ça regarde juste moi. J'avais voulu en parler, je n'aurais parlé. On dirait que tu fais ça juste pour te venger parce que... Parce que quoi? Qu'est-ce que tu reproches tant à Miville? Peut-être rien, au fond. Pour reprocher quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord avoir pour idée que les choses pourraient être autrement qu'elles sont. C'est comme d'écrire que tu appelles après la lune, c'est assez pour la décrocher. Ce qui t'arrive là, veux-tu bien me dire? Veux-tu bien? Mais non, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que t'as mangé, non? C'est pas le point certain, puis il n'y a jamais eu de problème avec l'eau. C'est un même mot qu'à la maison. Mais tu peux pas me faire ça, là. C'est pas le temps de me faire ça. Redresse-toi! Redresse-toi! T'as raison. Grouille pas. Je reviens tout de suite. Le livre pour les téléphones, vite. Mais qu'est-ce que t'as pas été? Le livre pour les téléphones, dépêche-toi. Ça presse, Julie! Ah, j'y dors, les bruits, où c'est qu'il est nuit. Vétérinaire? Pas le pape certain. Il me faut une chaudière d'eau tiède avec une éponge. Qu'est-ce qu'il fait dans lui qui répond pas? La chaudière est vide, grouille! Ah, j'y dors! C'est Xavier. Faut que tu viennes suite, il est arrivé quelque chose à ma jument. Je sais pas trop quoi, mais ça regarde pour le pire. Non, non, il était tendu par terre, puis ça bouge pas. OK, je t'attends, l'écurie. Ouais, de même, donne-moi ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, père? Je ne sais pas, mais ça regarde mal. Bon, je vais avec toi. Non, je veux voir personne à l'écurie, puis personne non plus à tournoyer autour. Charles Dupré, je vais le faire savoir à tout le monde.
Réveille-toi, Junior. Hey, veux-tu bien me dire que c'est qui te prend, toi? Hey, je viens juste de m'endormir. Tu me réveilleras quand ce sera le temps. Il est arrivé quelque chose à jument, père. Il est arrivé quelque chose à jument, père. Puis c'est pour m'apprendre ça que tu me réveilles quasiment en plein milieu de la nuit. T'es-tu tombé sur la tête, si? C'est grave. Il a même appelé le vétérinaire. Bon, ben, si un vétérinaire peut s'en occuper, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi dormir. Tu me rencontres le reste tantôt. Oh, t'es mal à main quand tu veux! Bon, tu m'as réveillé. T'es contente, là? Même pas moyen de dormir, cette. Bien me dire ce que je fais avec ça sur le dos. Je vais avoir mal au bloc. Un boulon de Frankenstein qui doit être resté pris dedans. Je vais y aller. Si t'avais vu de pain, il était quasiment pas reconnaissable tellement ça le virait à l'envers. T'imagines s'il fallait qu'elle parle? Elle est assez vieille qu'elle meurt. Ça devrait pas surprendre personne. Attends-moi un peu, là. Je vais y aller avec toi. Ouvre, qu'est-ce que t'attends? J'ai dit que je voulais voir personne ici. Je t'avais que Junior, on peut-tu faire quelque chose? Restez dehors, c'est tout ce que vous pouvez faire. Hey, ce serait nous autres qu'on serait malades, vous ferez pas le corps de ce qu'il fait là. Ça nous apprendra à pas être né cheval. Tu sais comment est-ce que Pat tient sa jument. Ça doit y rappeler le temps quand il faisait courser ses chevaux. C'est des choses qui se comprennent pas, ça, Junior. À moins de les avoir vécues soi-même. On parle de ça pour ce jument-là, c'est pas pareil. Tu te rappelles-tu comment est-ce qu'on l'a eu? Toujours des souvenirs. Personne ne savait où ce que sa mère était allée pour même pas. Même pas peur. Il a fallu qu'elle cherche longtemps. Jusqu'au fronton. Quand il l'a trouvé, elle n'en avait pas large. À côté de sa mère qui était morte. Mais père, il s'est entêté. Il voulait pas que la petite pouliche meure. Tu sais tout ça, Julie. Ça change rien pour le reste. Sa jument, le père a jamais voulu la faire courser. C'est que ça lui donnait de la garder à rien faire. Il l'avait donné à Myriam. Mais raison de plus pour s'en débarrasser quand Myriam est partie. Quand tu fais exprès, il n'y a pas grand-chose qu'on te dit qui peut t'atteindre. C'est pas de ma faute, c'est ce qui reste de Galarno en moins qui parle tout seul. Ce que je viens de dire. Si ce qui se passe te fait de la peine, ça m'en fait, moi, avec. Mais c'est juste pour toi. Ça ne me donne rien de rester ici.
pas rester. Ce sera pas grave, tu vas voir. Ce jument-là, c'est comme le pire. C'est pas tuable du monde demain. N'empêche que ça meurt pareil des fois. Ouais, ouais. Ça sera plus mangeable, ça, tabarnance. C'est cabrette, donc. Fait deux fois que je la réveille. Attendre que je vais quitter ton chat. C'est la troisième fois que je viens te réveiller, Albertine. C'est toi qui me l'as demandé hier. Si tu veux pas, t'as rien qu'à me dire, puis je vais agir en conséquence, tabarnance. Pas si fort, Gabriel. Je suis pas sourde. Oh, j'étais dans le meilleur d'un beau rêve. C'est pas un rêve qui devait se passer le matin certain. Non, faut pas que tu m'en veuilles. Tu sais comment est-ce que c'est dur pour moi le matin? Pourtant, c'est le plus beau moment de la journée. Matin, tout est neuf. Tout est à faire, puis il est trop tôt pour savoir qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout faire ce qu'on voudrait. Ah, t'as dû lire toute la nuit, toi. Des mots pis des mots. Qu'est-ce que tu peux bien trouver là-dedans que tu pourrais pas trouver ailleurs? Ah, c'est des discussions trop dures pour le matin. Je vais me lever, là. Donne-moi deux minutes. Des deux minutes, je t'en ai donné en masse. Là, là, je vais m'arranger pour arriver où ce que je veux dans l'arrivage. Hé, la lumière, en veux-tu? Mais enlève-la, ta barbasse. Ah! Tu m'as dit qu'est-ce qui se passe chez Xavier le matin? De bonheur qu'il se passe quelque chose. Hein? Hey, Julie et Junior sont assis sur le seuil de la porte de l'écurie. Hey, c'est le char à Zidore les Bruits, ça. Au moins, dans le jument, Xavier doit avoir quelque chose. Ben, où c'est que tu vas? M'en aller aux nouvelles. Juste une minute. Juste le temps que ça va te prendre de te réveiller bien comme il faut. Pour dire qu'ils aiment ça le matin. La lumière est toute crue. Comme si elle voulait te sauter dans la face et travailler tout rond sans te demander ton avis. C'est si peu de choses sur soi-même que lorsque cela vous est révélé, il s'installe en vous un flottement singulier par lequel vous êtes comme abandonné dans ce qui vous constitue. Et c'est là une dérive si douce que l'on voudrait toujours y habiter. C'est à cause de vos yeux, chère Albertine. C'est à cause de votre bouche. Et c'est à cause de tout ce qu'il y avait de chaud dans votre corps, de confort. Sensuel. Pourquoi
cette nuit? Pourquoi cet en premier de la passion? Est-il déjà plus là? Emporté par vous, si loin de mon cœur et de mes lèvres. Chère Albertine, je m'ennuie déjà de vous. Et j'imagine tant de caresses et tant de chatouillements, comme des petites fleurs effleurant votre corps. Je vous désire tant. Je vous désire tant et depuis si longtemps. Chère Albertine, si vous saviez. Il n'y a pas d'autre chose à faire, Xavier. Ça va dépendre de sa résistance. Contre un empoisonnement, on ne peut rien de plus. C'est quand même pas emprisonné tout seul. Bon, ça peut venir de n'importe quoi. C'est peut-être dans l'avoine que tu as donnée, non dans le foin, peut-être même dans les deux en même temps. C'est moi qui lui donne son foin, puis ce foin-là, je le connais. C'est moi qui le fauche, qui le fait chasser, puis qui rentre dans le grand. Puis... même chose pour l'avoine. Ça veut rien dire, ça. Les queues dans le nord, pas ça qui manque dans le bas du fleuve. On fauche ça avec le reste du foin. Puis il suffit qu'une bête, pas trop en forme, en mange, qu'elle s'empoisonne avec. Ta jument commence à avoir de l'âge pas mal, Xavier. Puis quand on vieillit, ben, on a moins de résistance qu'avant. Même une grippe, ça ne soigne plus de seul. Dormir pas mal longtemps. C'est juste après ça qu'on va savoir. Au fait, pour que j'inscrive ça dans mes dossiers, là, comment est-ce que ça s'appelle, non? Ah, pas de nom. Les bêtes, ça n'a pas besoin de nom. On a à peu près le même âge, Xavier. Comment est-ce que tu penses ça? Vieillir. Pas besoin de le prendre, c'est là, c'est tout. Oui, mais par rapport à avant. Ben, c'était pareil, j'étais là. C'est pas debout de ses pattes, ta soeur. Décompte-la. À votre tête debout. Je te le souhaite. Putain, n'y ira pas de même. Un cheval, c'est pas fait pour s'en aller de même comme un petit vieux dans un hospice. Quand il va partir, c'est parce que sa voix avoir été décidée. Je peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. J'ai donné ce qu'il faut pour qu'elle dorme. C'est tout ce qu'il y a à faire dans un cas d'empoisonnement. Empoisonnement? À quoi? C'est dur à savoir. Quand il y a des spasmes, des convulsions, on peut soupçonner un empoisonnement à strychnine. Mais là, les symptômes peuvent dire n'importe quoi. Mais pas plus tard qu'à soir, vous allez être fixé pour le meilleur ou bien non pour le pire. L'empoisonnement, ça vient pas tout seul de même, tabarnance? Niville. Non, ça se peut pas. Il aurait pas fait ça. Ben, faites quoi? Venez-vous-en, mon oncle. Moi, vous expliquer ça en chemin. Ah, ben, de quoi vous parlez, là? Moi, tout vous dire ça. Allez, reste ici, hein, pour le cas que... Oh, ben, ça serait bien fin de ta part si tu prévenais Albertine, là. Elle doit être dans la cuisine, elle va attendre déjeuner.
Peut-être qu'il n'y a pas d'heure pour les braves, mais c'est de bonheur pareil, non? Le ville est en haut. Je suis le gérant de l'hôtel, pas le gardien des pensionnaires. Et quand l'hôtel a fermé hier, j'en ai eu bien assez de faire la jasette quasiment jusqu'aux aurores avec Nathalie. Et elle n'emmenait pas large, non. Par rapport à quoi? Par rapport à qui, plutôt? Elle attendait mes villes. Paraît qu'il a plutôt mal pris ça, là, quand il a su pour la terre de mon oncle que ton père a acheté. Mais ça se comprend, tabarnasse. Tout ce que je sais d'autre que m'a raconté Nathalie, c'est que Méville, il a sacré son camp de l'hôtel, enragé, puis criant des menaces pour ton père, monsieur. Hey, es-tu arrivé quelque chose? Je vais aller faire un tour en haut. Hey, comme ça, ça a brassé dans la cabane? Oui, il s'est rien passé, là, si c'est passé quelque chose quelque part. Ben oui, mais c'est quoi le problème, d'abord? Un matin, quand le père est allé à l'écurie, il a trouvé sa jument les quatre pattes en l'air. Empoisonné, d'après le vétérinaire. Ça nous étonnerait pas personne que ce soit Méville qui ait fait ça pour se venger. Ben, voyons donc, ça en prend un cheval. Avec Méville, c'est pas impossible. T'attaquer à la jument du père, c'est encore pire que s'il l'avait affronté en pleine face puis qu'il avait donné une raclée. En tout cas, c'est là qu'on en est, tout le monde. Hey, donne-moi donc une bière dans la gaillette, là. Oh, je suis pas supposé te servir de bonne heure de même. Puis moi, je suis pas supposé de boire de bonne heure de même non plus. Ça fait qu'on est kiff-kiff. Puis, Julie, comment est-ce qu'elle prend ça? Tu lui demanderas. Ça te fera au moins quelque chose à y dire. Ne. Je l'ai attendu presque toute la nuit. Et après ça, comme j'avais pas de nouvelles de lui puis de personne, ben, je suis venu me coucher. Je me doutais bien qu'il oserait pas s'en prendre à son père. Il aurait pu. Depuis le temps que la pression monte entre ces deux-là, ça aurait rien pour étonner. Je suis assez tanné de ces histoires de famille-là, moi. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver, donc? Je vis là-dedans depuis bientôt 60 ans. S'il y a une chose que je peux te dire, c'est bien celle-là. Je comprends pas grand-chose, moi non plus. Mais moi, je n'attendrai pas aussi longtemps que vous pour me faire une idée. La vie est trop courte pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Méville ne veut pas régler ses problèmes avec son père, il se trouvera quelqu'un d'autre pour les vivre avec lui. Moi, je commence à en avoir jusque-là. Hey, de la patience, Nathalie. Si t'aimes Méville... Je l'aime, bien sûr. Qu'est-ce que ça me donne de l'aimer? Qu'est-ce que ça lui donne à lui? Je m'appelle pas Maria Chapdelaine, moi. Allez, prenons les choses une après l'autre. De toute façon, tes sentiments pour Méville puis les siens pour toi, ça me regarde pas. Ce qui m'inquiète bien plus, c'est de savoir ce que Méville peut bien être à l'hockey. T'as vraiment pas d'idée là-dessus? Non. Ouais. Bon, ben, tout ce qui me reste à faire, c'est de redescendre ta parnance. Excuse-moi pour le dérangement. C'est bien que Méville aurait pas fait ça. Je suis pas sûre. Il s'est tout le temps senti brimé par père. C'est bien difficile d'y donner tort là-dessus. Ça a jamais marché entre Xavier et Méville. Pour des raisons que tu connais aussi bien que moi. Justement, j'ai de la misère à mettre toutes les bouts ensemble. Puis plus ça s'en va comme ça, pire c'est. Comme si une fois que quelque chose s'est déclenché, il y aurait plus moyen de rien faire contre. Quand on n'a rien autre chose que la famille, puis que toute sa vie tourne autour de ça, c'est bien normal que ça en vienne là, hein? C'est l'anecdote qui prend le dessus partout. Au point qu'on finit par voir rien qu'elle. On s'est tellement éloigné de tout qu'on finit par pas être capable de faire face à ses contradictions et à celles des autres. Ça se pourrit. Ça se défait. Puis quand on s'en rend compte, c'est généralement trop tard. Moi qui pensais qu'en vous parlant, ça me remonterait. T'as déprimé, c'était pas mon intention.
Et vois-tu, je sors si peu souvent d'ici que quand ça arrive, j'ai de la misère à revenir à Rhodes. Mais je pensais que tu viendrais me voir hier soir. C'est pas l'envie qui me manquait. Mais mon oncle Gabriel nous avait prévenu de pas venir parce qu'il voulait célébrer ça tout seul avec vous. À part ça, il y a tellement de mauvaises nouvelles depuis que t'es à la maison que je suis pas sûre que j'aimerais ça en entendre d'autres. Je m'excuse. Ce que je viens de dire, c'est pas fin pour Stéphanie. Comment qu'elle va? Elle va très bien. Au point de vue travail, elle pourrait pas demander mieux. Même que j'ai été visiter son bureau, quand Philippe... Je veux dire, quand son patron nous a invités à souper, Stéphanie puis moi. T'aurais dû voir ça. T'as pas une réception ordinaire. Des musiciens. Mmh. Un serveur tout costumé. C'est la première fois que je mangeais avec de la musique jouée par du vrai monde en même temps. Myriam était pas là? Oh, Myriam est jamais là aux fins de semaine. Elle fait de l'équitation. Comme ça, vous l'avez pas vue? Ah, ben, je l'ai vue lundi. Puis? J'avais oublié qu'elle ressemble autant à son père. Tellement butée dans ses mots puis dans tout le reste que c'est bien difficile d'arriver quelque part avec elle. Ça me fait de la peine de te le dire parce que je sais que t'aimerais mieux entendre autre chose, mais ça serait pas la vérité. Myriam, elle a fait un grand trait sur son passé, puis ça m'a tout l'air qu'il n'y a pas de retour possible. Vous y avez dit pour pas? Crois-moi, j'ai tout essayé. Je pense qu'en dedans de moi, je savais que ça se passerait demain. C'est qu'on pourrait faire, donc. Essaye de pas trop te morfondre avec ça. Essaye en tout cas de te garder un petit coin pour toi tout seul à l'intérieur de toi, sans rien de la famille dedans. Fais pas l'erreur que tout le monde fait. Quand on le sait à 20 ans, c'est mieux. Faut que j'aille voir pour pas. Je comprends ça. Mais la prochaine fois que tu vas venir, on va essayer de trouver des sujets plus gays, OK? Certain. Que j'ai fait cette nuit. Cette nuit, je suis resté ici, à Boingon, bitch. Tout seul dans mon coin. Personnellement, qu'on est le mieux, tout seul, gun bitch. Comme quand on vient au monde pour rien, puis qu'on sort du monde pour rien. Et c'est pas fini, mon boire encore. Il dit qui sont les gun bitch. Hey, vous autres, les petits bateaux! Faites-moi pas de face, n'hésitez tout de suite. Mon oncle Miville a soif. Oui, sacre-moi ton camp, maudite facelette. J'ai baissé le store, mais pour elle, personne. Personne! Ben, tu vas me voir tant que t'auras pas répondu à ma question. J'ai baissé le store, puis la porte et tout. Je te vois même pas. Ouais, mais c'est toi qui vas l'avoir voulu, mes villes. Mmh. Oh, je vais te griser, moi. Tu vas voir. Si ça suffit pas, crains pas, c'est pas l'eau qui manque dans le fleuve. Ça fait que t'es aussi bien de répondre à ma question.
C'est-tu toi qui a empoisonné la jument du père ou ben non, c'est pas toi? Je l'aime, moi, le père. Je l'aime, mais lui, il fait juste ma guille. Depuis tout le temps, il fait juste ma guille. Ouais, je te parle pas de ça, là. Je te parle de sa jument, c'ti. J'avais jamais le droit de monter dessus. C'était un jument Myriam. Plus rien. J'ai plus rien. Je veux juste boire. Tu veux boire? Moi, te faire boire. Fais-moi confiance. Si on était plus nombreux, on pourrait quasiment dire qu'on veille au corps. Je trouve pas ça drôle, mon homme. Je parlais pour parler. Ben, c'est pour des affaires de même, là. Ça serait aussi bien pas. T'as l'air bon, ce que tu prépares pour le dîner. Penses-tu que Xavier va venir? Elle sait pas plus que vous. Il est dans l'écurie depuis un matin. C'est comme rien, la faim a dû le poigner. Mais tu jamais prévenu que le dîner est prêt? M'en occuper moi-même. Ben, si je peux faire quelque chose, moi... Rappelle donc l'hôtel pour voir s'il y a du nouveau. Ah, je le fais tout de suite. Allô, Maggie, c'est moi. Ben oui, je suis encore chez Julie. Ben, je sais pas encore, là, mais ça devrait pas être long, là, dès qu'ils en ont plus besoin de moi. Et qu'est-ce qui arrive avec mes villes, là? Hein? Ça prend donc bien du temps. Bon. Ben, merci pareil. Ben, il est encore sous comme une botte, là, puis il dort comme une bûche. Passer la nuit dans la cabane, aspecter après, c'est pas bien le genre de mes villes, ça. Non, ça ressemblerait plus à un empoisonneur, non? On parle pas de corde dans la maison des pendus. Surtout quand tu n'es pas en compte. Certain. Ça serait comme mordre dans raison d'un pardu. Ben, excusez-moi. Mais il faut ce qu'il faut quand on veille au corps puis que le corps est pas là. Je pourrais te forcer pour en faire des meilleurs, des fois. Ouais, ben, je pense que je vais faire un tour à l'hôtel, mais voir ce qui se passe. Hey, c'est long de se rendre là à pied. Je vais m'être revenu dans l'heure. Inquiète-toi pas pour ton bazou, je vais te le ramener. Ah, oh, parce que vous allez prendre mon char. Ça t'apprendra à faire des faces qui n'ont pas d'allure. J'ai pas faim, je viens de te le dire. Mais t'es là depuis un matin, père. Ben... Peut-être là le temps qu'il va falloir que je sois là. Laisse-nous tout seul. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Oui, si. Je vais m'asseoir au fond. Je dirai rien. Juste quelques minutes. Non. Père, pourquoi tu veux jamais rien partager? Partager? C'est rien qu'un mot, ça. C'est rien que le reste qui est réel. Puis ça, c'est une affaire entre soi-même puis soi-même. Les autres peuvent pas entrer là-dedans. Même quand ils pensent qu'ils sont dedans, ils sont dehors pareil. C'est vrai, ça veut dire que ce que tu essaies de faire avec ta jument, c'est inutile. Ça l'est. Je comprends pas, père. T'as pas besoin de se comprendre non plus. C'est là, c'est tout. Retourne à la maison. Je veux que tu retournes à la maison. Combien de fois va falloir que je vous le répète encore? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je me rappelle juste que j'étais dans la cabane. Je prenais de la bière. Puis à un moment donné, ça a été comme si j'entrais dans un grand trou noir. Après, je me souviens plus. Mais je suis pas sorti de la cabane, ça, je suis certain de ça. Je t'amène trop sous. Et tu nous prends-tu pour des valises? C'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Si vous voulez pas me craindre, c'est pas mon problème. Pensez que j'aurais pu empoisonner la jument du père. Vous me prenez pour qui, donc? Toi, tu me crées-tu, au moins? C'est justement ce que j'étais en train de me demander. Mais peu importe ce qui s'est passé, Miville, parce que ce que j'aime pas là-dedans, moi, te le dire, c'est que rien qui change, au fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien d'autre que je pense que je me suis trompée sur toi. À part me faire miroiter toutes sortes d'affaires qui arrivent jamais, je suis pas sûre de ce que tu veux. Pas plus pour moi que pour le reste.
Ça fait 2 ans qu'on devrait être mariés, puis on l'est pas encore. Tu le sais pourquoi, c'est ah, oui, oui, ça pour le savoir, je le sais. Sauf que mon intention à moi, c'est pas de passer ma vie dans une minable chambre d'hôtel avec quelqu'un qui réagit tout le temps comme un enfant d'école. Écoute, Nathalie... C'est toi qui vas m'écouter parce que j'ai pas fini. Je peux m'intéresser, Miville. La vie est trop courte pour que je vive ça de même. Ça fait que là, je m'en retourne chez nous. Puis quand tu auras quelque chose de neuf, de vrai, à me dire, tu me feras signe. Mais ça a besoin d'être dans le solide. Parce qu'autrement, t'es aussi bien de même pas t'essayer. Nathalie! Bye, Miville. Ça serait le temps que tu réagisses, Miville. Puis que tu réagisses en homme, pour le tout. Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Parce que je me sens responsable de ce qui t'arrive. Pour la terre à Delphis, si je m'en étais pas mêlé... C'était une idée de Nathalie! Que l'idée de Nadelle ou de toi, c'est pas ça l'important. J'aurais pas dû l'écouter pareil. Nathalie s'est mis à sortir avec moi parce qu'elle pensait que j'hériterais de la terre du pire. Elle a fait la même chose avec le gars de Maurice Dumont quand son père a voulu y vendre son garage puis que ça a pas marché. Elle rêve juste de vivre avec quelqu'un qui va avoir bien de l'argent puis qui va y faire mener à grande vie. De son point de vue, ça se comprend. Ils sont pauvres chez eux. Ils ont toujours été. Ils avaient sortir de ça, ça serait difficile à blâmer. Mais toi, là, tout ce que t'essayes de faire, c'est déporter le problème par rapport à Xavier. J'ai rien fait à sa gun bitch de jument! Je veux bien te craindre, Miville. Sauf qu'il faut toujours savoir s'arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est parce que tu le veux de même. Imaginez juste ça. Si le père perd sa jument... On le sait pas encore. Et que ça arrive ou bien que ça arrive pas, toi et tout ce que t'as fait, c'est de te reprendre en main. Ça fait que... Voilà, on voit Xavier, là, puis excuse-toi. Pas nécessairement pour la jument, mais pour la jument, si nécessaire. C'est pas moi, gun bitch! Pense-y en tout cas. Je dois être en bas là, pour le cas que tu décideras quelque chose. C'était bien la moindre des choses que je la console un peu. Nathalie est pas ben de ce genre-là. Se laisser consoler. C'est pas le genre non plus pour broyer. On dirait que tu l'aimes pas beaucoup. C'est pas avec moi qu'elle sort, c'est avec Miville. Qu'elle sortait, Julie. Parce qu'à l'heure qu'on se parle, c'est pas le cas. Ah, c'est pas la première fois qu'ils cassent, Nathalie puis Miville. Moi, je m'énerve pas avec ça. Ça nous énerve pas non plus. Sauf qu'on trouve ça plate. Comme le reste. Il y a des familles de même, hein? Occupe-toi donc de la tienne. Tu vas bien en avoir le reste. Ouais, nous autres, ça va bien. Si vous aviez connu là, la famine en Irlande, puis la grande maladie de la tubercule. La tubercule? Ah oui, la tubercule. C'est le vrai nom de la patate. Mais la pomme de terre, autrement dit. En tout cas, si vous aviez connu tout ça, là, avec l'immigration, puis le scorbut, puis le reste, là, comme mes ancêtres maternels irlandais, t'as dit que votre famille serait pas pareille aujourd'hui. On aurait perdu quelques-uns en cours de route, pis de ça, c'est pas moi qui s'en plaindrais. Nous autres, tout ce qu'on a fait, c'est de survivre. C'est pour ça que l'indépendance n'a pas passé. C'est difficile de sortir du bois quand il y en a plus pis qu'on s'en rend même pas compte, sti. Ah, là, tu parles de mon goût! Hey, tu devrais faire un politicien, mon junior. La politique, le hockey et la famille. Les trois mamelles québécoises. Je sais que tu veux faire avec ça. Ah, oh, puis rien que d'en parler, là, c'est trop déprimant. Qu'est-ce qu'on mange? Puis quand est-ce qu'on mange? Quand père va être là? Ah, ben si vous voulez jeûner, c'est votre affaire, mais moi, j'ai faim. Je vais aller voir pour père. Ouais, tu serais aussi bien. Je peux-tu y aller avec toi? Mais attendons, là, on va aller faire un peu de musique en haut. Le niaisage, c'est bien beau, ça commence à pomper ses nerfs. Puis en esti, toaster les deux bords, bon, t'sais.
Je suis assez contente. Depuis quand qu'elle va mieux? Oh, ça doit faire une bonne heure de ça. Elle n'avait pas grouillé d'un poil jusque-là. Puis tout à coup, elle s'est ouvert les yeux. Elle s'imagine en tournant la tête d'un bord puis de l'autre. Je pensais que c'était la fin qui s'en venait. Mais elle voulait juste se relever. Mmh. T'aurais dû venir à la maison, nous le dire. Ça m'a pas venu à l'idée. Père, j'ai pensé à ce que tu disais avant midi par rapport au partage. M'en souviens plus. Tu te trompais. Ça, je peux. Tu te trompais parce que si tu n'avais jamais rien partagé avec ta jument, elle serait morte à l'heure qu'il est. Ça se peut aussi. Ah ben, prends de la paille. Ça va mieux que de la paille. Ce serait bien si c'était tout le temps 5 demain. Ça serait long. Je pense que je trouverais pas ça long, moi. T'es trop jeune pour savoir ce que je veux dire. Va préparer le souper. Je vais rentrer dans pas grand temps. OK, père. T'as pas d'avis ici. Toi et moins que n'importe qui d'autre. J'ai su ça tantôt pour la jument. Je suis heureux de voir qu'elle va mieux. Je sais ce que ça représente pour toi, le père. Même si je reste plus ici, ben, je voulais te le faire à savoir. Astaire, c'est fait, tu peux t'en retourner d'où c'est que tu viens. Je voudrais aussi... T'es mal placé pour vouloir quelque chose. Je voudrais qu'on fasse l'appel, père. Je reviendrai pas à la maison pour rester, mais je voudrais qu'on fasse la paix. Juste ça. C'est encore Gabriel qui t'a mis ça dans la tête. Ça vient rien que de moi. Je suis capable de penser tout seul par moi-même. Tu peux pas me refuser ça. Ben, disons que... je vais y penser. Pour aujourd'hui, content de toi de ça, demain on verra. Maintenant que c'est dit, je te retiens pas. On va faire un effort. Mon effort, j'ai fait en restant ici toute la journée. J'ai même fait 2 fois en te sacrant par porte d'écurie dès que t'es rentré. Ça va que demande-en pas plus. M'ennuie, le père. Je suis pas capable de vivre de même. Je te regarde, pas moi. Je sais que j'ai pas toujours agi comme il faut avec toi, mais c'est plus pareil à cette heure. Bien content pour toi. Maintenant, fais-moi plaisir. Va-t'en. Ça serait mieux dans la poche de ton pantalon. Je pense que je pouvais pas espérer plus. Comme tu dis. C'est parce que t'avais quelque chose à te reprocher. Dès que t'es rentré, je l'ai tout de suite compris. Pareil comme toi. J'ai déjà dit, hein, pourquoi ça s'appelait le point G? Ben oui. Tu voulais pas donner ton nom au complet. En vacances, faites-vous votre Sylvie. Une balance.
J'ai peur d'engraisser en Europe. Tu m'énerves. Et dans votre couple, qui fait le Guy et qui fait la Sylvie? On met-tu la petite auto dans le garage? Guy, t'es rien qu'un gros cochon. Retrouvez le couple le plus indémodable de la télé. Quoi? Un gars, une fille. Ce soir, 19h30, sur Arte TV.